Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on roule le MSG. Oh my god! Alors, qu'est-ce que c'est MSG? C'est pas compliqué, c'est le Mont Saint-Georges. C'est une petite montagne de ski à peu près 50 minutes au sud des ponts de Québec. On a donc notre guide local, Étienne, qui est un des builders ici, qui va me faire découvrir son petit réseau local. Très hâte d'essayer ça. Je me suis fait inviter l'année passée, à l'automne justement. Il manquait de temps un petit peu pour venir visiter ça. Mais c'est aujourd'hui qu'on se reprend. Oh, ok, ça prend pas de vitesse, je comprends. Un petit peu plus pour lui. Ok, je comprends, c'est super intuitif. Ok, donc le burn, c'est... Moi, ça me stresse pas. Plus vite même. Ok, plus vite pour celle-là. Alors, la roche. Elle va falloir un petit peu plus. Oh, limite. Sunset Last. Alors, on a Carlos en avant qui vient de se joindre à nous autres. Je vais vous montrer. Première piste noire de la journée. Oh! Ouais, ça, j'étais pas prêt. Fait que ça, c'était son call pour le double. C'est bon. Ça, c'est bon. OK. Et que t'arrives vite! Oh my god, ça arrête pas! Asti! Tu penses que c'est fini, mais il reste un dernier berm à gauche. Oh my god! Oh, le premier, c'est que je suis arrivé trop vite! Ouais, faut que tu le penses. Faut que tu le penses, c'est juste pour t'enligner vers la suite. Ah, je me suis aligné dedans. Ah, ok. Ah, ça a dérapé en avant ou en arrière ou les deux. Ouh! Des belles émotions, ça. Et je l'échappais. Yes. Oh, aïe, aïe. Yes. Oh, les émotions. En arrière, on est parti sur une racine un peu, je pense. Ici. Totalement. T'as bien vu. Ah, j'ai bien vu. Aïe, aïe, aïe. Ben, quand tu veux, mon Carlos. Ouais, ben, c'est bon. Bon. Allez, hop, casse-y, hop. Alors, ronde numéro 2, maintenant qu'on connaît la piste. Le double. À bonne place, ok. Ça passe quand même proche. Une fois. Deux fois. Trois fois. Mieux que tantôt. Ok. Ah, voilà. Beaucoup de choses à faire après le dernier. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des apprendre par cœur. Okay. Flamingo! Il connaît ses pistes, moi je regarde une petite chaîne.
toujours. Première fois, là. Ça a l'air bien, ça. Ouais, j'ai vu ça. Pas froid aux yeux. Ben. Il a été blind. J'ai vu qu'il y avait un gap, ça c'est pour moi, ça. Je suis le premier qui fait ça blind ou. Blind, ouais, ça arrive pas souvent. Alors, train sauvage. Il y a beaucoup d'un noir depuis tantôt. Faut faire attention, encore assez coulant. Carlos qui connaît pas mal ses pistes. Moi, sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Regarde une petite gêne. Ça, ça va, ça, ça va. Oh! Ouais, pas le petit soif camber qu'on fait attention. La planche. Ça. Je l'ai perdu. La gap. Ah, super. Nice. Super intuitif. Ah ouais, ça là. Ouais. Wow. Oh, il y en a cette bout. Super. Un petit sauvage là aussi. Laquelle? Dans les airs? Oui! Le plus fun! J'ai vu que ça s'en venait, t'es haut dans les airs, mais... C'est pas cher. Je pense qu'on commence tout de suite avec quelque chose. Oh, je pensais pas qu'on allait là. Alors! La enduro. Déjà là, beaucoup plus de vitesse. Peut-être s'en vient de fatiguer, mais on va essayer de faire de quoi de la fun pareil. Aïe aïe. Les berms avec des galets. Fait qu'une belle noire que j'ai pas pendant toute la bonne approche site. Ah, pas seulement. Yep. Je dirais que j'étais un peu limite, mais bon. Il y a 41 qui teste mon cardio de début d'année. Fait qu'une des pendants rapides de la montagne. Yep. Petit feature qui me parlait. Ça. On regarde le plus soulé que moi, il y a plus de shape. Mais, aïe aïe, ça va pas mal être la fin. Oh my god, ok, t'es exigeant celle-là. Tu vas là ça? Oh oh oh, t'as peur là. Non, non. Ouais. Je manque pas un skinny, là. Oh non, j'ai bon. Ça. Ah, ok, je comprends.
garage-là. OK. Ça fait super bien. Petite affaire, genre, mais c'est bon. Yes. Ready. Alors. Bon le fun. Save. Ouais, je vais prendre le temps de faire un petit épilogue. Écoutez, il s'est passé beaucoup d'affaires en très peu de temps. Mont-Saint-Georges, maudit beau petit réseau, belle petite montagne. Écoutez, on voit ça un petit peu. C'est pas une très grosse montagne, fait que c'est facile à monter. Deux montées intéressantes, une petite montée qui fait un petit peu plus le tour, une un petit peu plus pentue, qui prend quelques minutes à monter. Ça fait qu'on a vraiment un secteur un petit peu plus enduro, parce que tout est rendu enduro. Puis on a vraiment plus le secteur de la montagne, que là, on a un petit peu plus de dénivelé. Nos pistes noires vont être là. Là, j'ai pas tous les noms de pistes en tête, mais vite de même, traîneau sauvage, super le fun. La enduro, super le fun. Les deux petites jump lines pas loin des champs, super le fun pour pratiquer. Ça fait que c'est un beau petit réseau que j'ai bien aimé découvrir. Écoutez, j'ai adoré ce petit centre-là. On a fait un 15,7 km à peu près. Écoute, on a-tu été parti peut-être 2h, 2h30. Super belle petite plage, j'ai adoré. Fait que je vous conseille MSG, Mont-Saint-Georges. Le centre demande si vous êtes capable d'acheter vos passes sur Endorphine, la petite plateforme sur Internet. Ça aide à garder un petit peu le pouls de combien de personnes sont sur place. Pour les assurances aussi, n'oubliez pas, les assurances sont très dispendieuses. Ça fait que c'était le Mont-Saint-Georges avec Étienne et Carlos. Un gros merci, les boys. Belle petite montagne. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ça, on se voit le prochain épisode de Free Ride Québec.